J'ai eu beaucoup de commentaires, c'est vrai, c'est normal. Mais je voudrais d'emblée dire, au démarrage donc, de cette intervention, que je n'adhère pas à un parti politique. Du décryptage de l'actualité aux actions concrètes sur le terrain, Agapit Napoléon Mafo-Rincan lance la Fondation Afrique Perspective 100 à travers un discours d'orientation pour un engagement politique citoyen au Bénin. C'est produire de la pensée, c'est accompagner les politiques publiques par l'analyse, par l'explication, par même des solutions alternatives venant d'acteurs différents, par tout ce qui peut concourir à aider le citoyen à comprendre les choix et donc à en faire maintenant lui, à se décider. Nous refusons de rester dans une posture de braquage, opposition mouvance, dans une posture totale d'étanchéité de la pensée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nos chefs d'État produisent comme pensée, comme idéaux, et qui, mis bout à bout, pouvaient nous aider à avancer. Cette nouvelle approche de participation à la gestion de la cité repose tout d'abord sur un volet politique. Ici, il ne s'agit pas d'aller à la conquête du pouvoir. Ici, il s'agit d'expliquer à ceux qui vont décider de ceux qui iront à la conquête du pouvoir. Donc, il faut mettre à la disposition de l'électeur potentiel les informations pour qu'il puisse se décider. Vous ne pouvez pas, dans ce travail-là, aller mieux si l'université ne produit pas la pensée, bien que les pensées de l'université ne viennent pas vers vous. Vous ne pouvez pas le faire si l'opposition politique ne donne pas de contenu à ces options. Et ça, c'est le travail qu'on... Il faut bien qu'on ait vers... Quand le président dit, mais on ne me donne pas là, on ne me permet pas de parler. Mais si le parler est l'injure, ça ne peut jamais prospérer, parce qu'il n'y a pas un projet de société qu'on appelle injure. Le second as porte sur la mission sociétale des médias. Quand on dit informer, éduquer et distraire, chacun a qu'à s'amuser d'ici un mois à regarder, à décliner chaque option de l'information. C'est quoi? J'informe en quoi faisant? Est-ce qu'en relayant le président de l'UP qui va aller danser avec le président du BR que je gère l'information? Ou est-ce que c'est plutôt en analysant les déterminants du changement à la tête de l'UP, l'offre politique du BR, la pensée de Moël Béné ou bien l'approche politique de RLC que je mets des éléments à la disposition? Ça, c'est le travail des médias. Pour concrétiser cette vision, celui qui se désigne comme un militant solitaire exhorte les Africains et par ricochet les Béninois à capitaliser les acquis et à corriger les failles des régimes successifs. L'assistance adhère à sa démarche. Je vous suis régulièrement. J'admire beaucoup la passion structurée qui se trouve dans vos interventions. C'est un hommage que je vous rends, M. Mafo-Rincan, pour vous dire que j'accompagne tout ce que vous dites afin que la postérité puisse enregistrer ce qu'il y a de qualitatif au Bénin aujourd'hui. Moi, je crois que l'initiative est bonne. Vous avez soulevé certains aspects importants. Et si vous voulez être utile, c'est de pouvoir rationaliser ce type de pensée et en faire une idéologie propre à nous. Je ne prétends pas tirer les jours d'aujourd'hui dans le passé, mais je pense que le passé est encore nécessaire pour construire l'avenir. Afrique Perspective 100 envisage célébrer d'ici le centenaire des indépendances le rayonnement de tout le continent.